Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui, je vais vous transmettre une carte, un message que vous avez à recevoir pour tout de suite maintenant, pour votre journée. Et on va découvrir tout cela ensemble. Comme toujours, c'est du général, donc vous faites bien preuve de discernement. Je ne sais jamais sur quoi ça va porter, on va le découvrir ensemble. Voilà, je tenais à vous remercier pour votre présence. Merci pour tous vos jolis commentaires, merci pour vos likes, merci pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Et on y va. Alors, je vais prendre ce magnifique oracle rempli de couleurs. Alors, c'est un oracle chamanique. C'est des cartes de transmutation de l'ombre à la lumière. Donc, c'est pour transmuter voilà, des ombres, une ou plusieurs ombres, que vous puissiez, en fait, ça vous permet de transmuter l'ombre vers la lumière, en fait. D'apporter de la lumière sur une certaine ombre. Alors, on va découvrir donc le message du jour, la carte du jour, le message du jour. J'espère que vous vous portez bien, moi ça va. Allez, je prends, on y va avec celui-ci. Alors, le message que vous avez à recevoir, tout de suite maintenant, sans tarder. Ouh, il y a du soleil, hein. Le soleil arrive. Le soleil, il y a le soleil qui arrive. Alors, le message, celui-ci. Alors, c'est la danse, c'est la carte de la danse. Elle est magnifique. On voit beaucoup, enfin moi je perçois beaucoup de comment dire, ça bouge en fait. Je vois du mouvement, voilà, du mouvement dans la carte, hein. On parle d'une danse. Actuellement, vous êtes peut-être dans de la lenteur. Elle est magnifique aussi, celle-ci. Il y a peut-être de la lenteur dans un cercle, votre cercle relationnel. Mais il y a quelque chose qui est en train de se construire. Peut-être avec... C'est pas forcément avec lenteur, mais progressivement, en fait. Il y a des relations qui vont être... Bonne, très bonne pour vous. Alors, c'est la carte 27. Je vais vous la poser ici. Voilà. C'est la carte 27. Alors, la liberté à partir du corps, donc par la danse, vous avez vraiment, ça vous permet de prendre de la liberté, vous avez de la liberté à partir de votre corps. Voilà, vous êtes libre de votre cœur, de votre corps par la danse. Je danse, je me dénoue, je me libère, je me répands. Les voiles tombent. Je n'ai pas de limite, je suis expression authentique, je suis vérité. La vie est une danse. Tout est dans l'instant présent. Depuis les temps les plus reculés, l'homme danse, marche, se déplace chaque jour. La danse, c'est vraiment un art sacré, un langage universel, expression de la vie, un rite. C'est entrer en contact avec la force de la nature, avec l'énergie vitale. La danse est contemplation, flux éternel. Danser, c'est méditer, c'est créer de la poésie avec notre corps. Donc là, danser, ça va vous permettre... Danser, c'est méditer aussi. Vous allez créer pour moi de la poésie. Créer de la poésie à partir de votre danse, de votre corps aussi. Votre corps va créer une grande poésie. La danse est transformation, silence intérieur, fusion avec notre dimension spirituelle, avec l'absolu. La vie est une danse. L'art est un maître qui purifie, un changement continuel. J'expérimente 1000 façons de danser. Donc là, on vous recommande d'expérimenter en fait 1000 façons de danser. Suivez votre intuition, écoutez votre corps, dansez les yeux fermés, dansez dans un cercle. Je danse en me dissolvant, dans le mouvement circulaire, je danse en couple. Je danse dans le silence en suivant des rythmes différents. Je danse quand personne ne me voit.
Je ferme les yeux et je danse. La pièce dans laquelle je me trouve devient un écran plein d'images. Les sons deviennent d'anciens souvenirs. Le corps se laisse aller, il devient léger. Le temps s'arrête, l'espace se dilate. Douceur, les voiles tombent. Des larmes coulent, des pensées se libèrent et de ce vide, un sourire émerge. Le mouvement s'amplifie. Je trouve un centre et la danse devient rotative. Je suis une passerelle entre le ciel et la terre, les limites de mon corps se dilatent. Je rencontre le tout hors du rationnel. Décharge d'énergie, recherche d'équilibre, d'assurance et de sinuosité. Je sens mon corps, je suis vent. Tel des voiles, mes vêtements créent un mouvement qui m'accompagne. Je danse en regardant ce qui m'entoure. Et les espaces vides se remplissent de vie, prennent forme. Je danse sur le sol et mes pieds se réjouissent. Ils suivent le terrain, qui a ses hauts et ses bas, tout comme la vie. Je me meus avec fluidité, mon corps dessine des cercles. Mes pieds glissent sur le sol sans le quitter, créant un contact profond avec la terre. Je perçois un changement à chaque pas et je l'observe. Je représente le changement dans la vie. J'abandonne tout contrôle. Je n'oppose aucune résistance. Je suis sans défense, sans blocage. Ma respiration est rapide, profonde. Je me dissous, je disparais. Il ne reste que la danse. Je danse chaque émotion, chaque état d'esprit. Je danse les nuances de l'existence. Je libère honte et rigidité. Je suis nature, harmonie, sensualité. Je débloque les énergies stagnantes, je rétablis l'unité entre l'esprit et le corps, entre la matière et le divin. Donc ça parle de danse, de libération, d'expansion, de mouvement, de dynamisme, de se dissoudre, d'expression, de contemplation, d'écoute du corps, d'abandon des automatismes et des conditionnements aussi, des illusions, réveil, souvenirs, authenticité. Faire, créativité, art, destruction et transformation, changement, détermination, perdre le contrôle, légèreté, prière et présence aussi. Voilà, la liberté à partir du corps, la danse. C'est magnifique, très très beau. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous transmettre aujourd'hui. C'était un réel bonheur pour moi de transmettre ce message pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un like, à vous abonner si c'est toujours pas fait, que vous désirez le faire. Je vous embrasse bien fort. Chouchoutez-vous durant toute cette belle journée. Dansez. Apportez-vous de la liberté à partir de la danse. La danse va libérer beaucoup de choses. Vous allez créer de la poésie avec votre corps. À seul ou un duo. Ça peut être lié à un projet aussi, hein, un projet de danse. La liberté à partir du corps. C'est votre art. C'est un art qui va être maître. C'est un art qui va purifier. Il y aura des changements continuellement dans ce projet, pour moi. Voilà. Je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, vidéos, etc. À très très vite.